Bonjour, je vais vous présenter une plongée dans la réserve Cousteau en Guadeloupe sur une épave qui s'appelle le Gustavia avec les Ursennes. Ici, nous pouvons admirer l'île Pigeon qui fait partie intégrante de la réserve Cousteau. Enfin, dans l'eau pour pouvoir plonger. Le Gustavia est un bateau qui faisait du cabotage entre la Guadeloupe et les îles du Nord, Saint-Barthes-Saint-Martin. Il devait à l'origine être coulé à 20 mètres de profondeur, mais un courant défavorable l'a amené à 35-40 mètres de profondeur. Voilà, nous entamons notre descente vers le Gustavia, 35 mètres plus bas. Voilà l'épave que nous abordons par la soute, où étaient entreposées les marchandises pour les trajets entre la Guadeloupe et les îles du Nord. Nous sommes actuellement à 33 mètres de profondeur, comme l'indique l'ordinateur. Là, on va rentrer dans le cockpit du bateau. Évidemment, il ne faut pas être claustrophobe. Hein. Voilà, nous pouvons admirer un ange français qui se balade au pied du bateau et accompagné d'un deuxième acolyte. J'avais demandé à ce qu'on puisse faire un lancer de parachute en fin de plongée, donc c'est maintenant. Le bruit que vous pouvez entendre sont en fait le gonflement du parachute. Ça y est, c'est parti. Entamons notre palier de décompression avec le moniteur Clément. Nous tenons évidemment le parachute en main pour garder une profondeur constante pour que notre palier de décompression soit le plus efficace possible.
lieu que vous apercevez est à 3 mètres de profondeur, notre second palier. Le premier palier a en fait été effectué pendant le lâcher de parachute. Donc 1 minute à 6 mètres et 5 minutes à 3 mètres. Nous nous dirigeons vers le bateau pour pouvoir finir notre palier de décompression à proximité et pouvoir remonter. C'est la fin de cette plongée sur le Gustavia. Je vous remercie d'avoir suivi avec moi. Au revoir.